Bonjour, bonsoir à vous de choisir. Nous sommes à Saint-Thibault-des-Vignes pour celles et ceux qui découvrent ce reportage. Il est maintenant pas loin de l'arrivée. Les athlètes ont réalisé plus de 23 heures d'épreuve. Et dans peu de temps, ils rentreront dans les petits tours. Voilà déjà les juges qui vont observer. C'est ici Claudie, le responsable informatique. Et les athlètes qui attendent, et on peut comprendre le point de fin, l'arrivée tant attendue. Ils ont démarré la veille, nous sommes aujourd'hui dimanche. La veille, c'était hier, samedi à 13h. Et ils attendent une seule chose, l'arrivée. Voici Jean-Marie Rouault qui est en tête et qui sera le champion de cette épreuve. Il n'est pas étonnant de le voir gagner car il a déjà été le grand vainqueur du Paris-Colmar, il y a 2 ans. Paris-Colmar, n'oublions pas loin de 500 km. Les femmes, bien entendu, sont à l'honneur sur cette épreuve organisée par l'Association des marcheurs de Saint-Thibault-des-Vignes, dirigée et responsabilisée par Gérard Leclerc, qui en est le président, avec le soutien de la ville de Saint-Thibault-des-Vignes, le maire M. Rouriot, ainsi que tous ses adjoints et conseillers communaux qui visent une seule chose, la réussite de cette épreuve. On voit qu'ils sont, je dirais, bien entamés à quelques minutes de l'arrivée, cela se comprend. Une jeune dame également qui va terminer ses 24 heures. On voit ici le dossard 56 qui a déjà participé au Paris-Colmar féminin. Nicolas Châtillon qui est le descendant de son papa qui a déjà participé à Paris-Colmar. Nicolas ayant lui-même fait Paris-Alsace. Et ici Pascal qui a également participé à cette épreuve avec Laurent Bovin, lui-même qui est fort entamé, et le 52, Sandra Braun, qui a participé au Paris-Colmar également. On retrouve tous ces athlètes qui ont fait le maximum durant ces 24 heures. Pas évident en tout cas. Ah oui, on voit bien la grosse difficulté d'avancer. Cela se comprend après pas loin de 24 heures de marche ininterrompue à braver tous les temps. Ah, il n'a plus de force ici. Alors Eddy, comment ça s'est passé, cette épreuve? Bravo aux deux. Comment vas-tu? Mal. Mal. J'ai mal parti. Non, ça va bien, ça va bien.